tels que nous sommes et où que nous allions, Jésus nous fait cette promesse. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La grâce et la paix nous sont données en Jésus-Christ relevé d'entre les morts. Victoire au Seigneur de la vie. Ce jour de Pâques, nous avons quitté nos demeures pour nous rassembler et célébrer le mystère de la présence de Dieu parmi nous. Car oui, aussi étrange et inexplicable cela puisse être, Dieu en Jésus-Christ est présent aujourd'hui avec nous. Sur la croix, c'est son absence qu'il le révèle. Il n'est plus dans la tombe. Allez vite dire à ses disciples qu'il s'est réveillé d'entre les morts. Il vous précède, dit le messager aux femmes découvrant le tombeau vide. Alors, oui, nous pouvons nous réjouir. Car dans notre vie, c'est Dieu lui-même qui, pour nous, ouvre l'horizon. En Christ, par sa parole et son esprit, l'avenir redevient possible. Réjouissons-nous en nous levant et en chantant « Jésus sort de la tombe ». Thank you.
Prions avec la poésie de la Bible, la poésie des psaumes. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi délivrance. Cri de joie, cri de libération dans les maisons des justes. Le Seigneur a pris les choses en main. Le Seigneur a eu le dessus. Il a accompli des prouesses. Non, je ne suis pas mort. Je suis vivant. Je vivrai pour raconter les merveilles de Dieu. Le Seigneur m'a épuré comme du métal. Mais cela ne m'a pas fait mourir. Ouvrez-moi les portes de la justice. Je viens là pour dire merci. Voici la porte de Dieu. Les justes entreront. Je te célèbre. Tu as répondu à mon cri. Tu es ma planche de salut. La pierre que les bâtisseurs avaient écartée, c'est elle qui devient la clé de voûte. Voilà, voilà les manières de Dieu. Cette merveille, nous l'avons vue de nos yeux. Voici le jour que le Seigneur nous a donné. Passons-le dans le bonheur et dans la joie. Victoire au Seigneur de la vie. Prions. Notre Dieu, écoute-nous, entends-nous, nous avons besoin de toi. Toi qui as rejoint notre humaine condition pour la vivre jusque dans la mort, tu connais ce que nous vivons. Maintenant, nous voulons te le confier. Car même au cœur de nos doutes, de nos déroutes, dans ton silence, tu nous écoutes. Dans la nuit, l'aube, une promesse. Tu n'as plus à te sentir coupable, car moi, je t'ai pardonné. Lève-toi et va, nous dit Jésus-Christ. Ta foi t'a sauvé. Avance en paix. Dieu est avec nous. Victoire au Seigneur de la vie. Notre Dieu, pour lire, pour entendre, nous avons besoin de ton esprit. Permets que nous puissions chacune et chacun découvrir dans les mots humains des Écritures quelque chose pour nous, quelque chose qui vienne de toi. Parole de Dieu, parole de résurrection pour nous, parmi nous. Toi qui chaque jour nous appelles
à nous relever d'entre les morts pour la vie, par toi et avec toi. Amen. Ouvrons à présent la Bible dans le premier livre de Samuel. Dans le premier livre de Samuel, nous lisons ces paroles. Anne pria, elle dit, « Par le Seigneur, mon cœur exulte. Par le Seigneur, ma corne s'élève. Ma bouche s'ouvre toute grande contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Nul n'est saint comme le Seigneur. Il n'y en a pas d'autre que toi. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas les paroles hautaines, qu'aucune insolence ne sorte de votre bouche, car le Seigneur est un Dieu qui connaît tout, et par lui sont pesés tous les agissements. L'arc des guerriers est brisé, mais ceux qui trébuchaient se saignent de vaillance. Ceux qui étaient rassasiés se vantent pour du pain, mais ceux qui étaient affamés ont du répit. La femme stérile accouche 7 fois, mais celle qui avait beaucoup de fils dépérit. Le Seigneur fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. C'est le Seigneur qui rend pauvre ou riche. C'est lui qui abaisse et qui élève. De la poussière, il relève le faible. Du fumier, il élève le pauvre pour les faire asseoir avec les nobles. Il leur donne pour patrimoine un trône glorieux. Dans la première lettre aux Corinthiens, nous lisons « Je vous confirme, mes frères, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, celle que vous avez reçue, dans laquelle vous vous tenez et par laquelle aussi vous êtes sur la voie du salut. Si vous la retenez dans les termes où je vous l'ai annoncée, autrement, c'est pour rien que vous seriez venu à la foi. » Je vous ai transmis, avant tout, ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il s'est réveillé le 3e jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux sont demeurés en vie. Quelques-uns se sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un avorton. Moi, en effet, je suis le moindre des apôtres. C'est même trop d'honneur pour moi que d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été inutile. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, telle est notre proclamation. Et telle est la foi à laquelle vous êtes tenus. Thank you.
Dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, nous lisons les versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, tremblantes, et hors d'elles-mêmes, mais elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Mais personne n'y a assisté. Il y a juste un jeune homme qui annonce la résurrection, sans la décrire. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais alors la résurrection, ça s'est passé comment? La résurrection, c'est quoi? Eh bien, c'est d'abord cette pierre roulée. C'est cet événement inattendu. C'est l'inutilité de nos gestes tournés vers la mort. C'est la fin de nos questions. C'est le début d'une vie nouvelle, autre, différente. Imaginez. Essayez d'imaginer ce que pouvaient ressentir ces femmes dans la brume matinale de ce matin de sabbat. Immense tristesse, incommensurable déception. Celui qu'elles ont suivi, qu'elles ont soutenu, qu'elles ont accompagné, qu'elles ont aimé. Celui dont elles attendaient tant de choses, celui capable de tout, est enfermé dans ce tombeau. Elles viennent, affrontant peut-être la crainte d'être arrêtées comme lui l'a été quelques jours auparavant. Elles sont courageuses, ces femmes. Elles viennent pour s'occuper du corps de Jésus. C'est tout ce qu'il leur reste à faire. Oindre Jésus, comme dit le texte en grec. Elles ont trouvé les aromates pour accomplir ce dernier rituel. Voilà ce à quoi elles s'accrochent. Elles arrivent presque dans la nuit alors que le jour s'ouvre nouveau. Elles arrivent pour perpétuer la mort. C'est pourtant la vie qui renaît. Un obstacle de grande taille, et c'est le cas de le dire, un obstacle de grande taille se dresse entre elle et ce corps à oindre. Il y a la pierre, fort grande, dit le texte.
Elles l'ont vue, cette pierre, roulée par Joseph d'Arimathée, devant l'entrée du tombeau, taillée dans la pierre. Elles étaient là, présentes. Depuis des mois, depuis des années, depuis les premiers appels de Jésus à ses premiers disciples, elles étaient là jusqu'à la croix. Elles sont là dans ce matin triste, dans cette matinée de rite de deuil. Elles ont en tête ces images de la souffrance et de la mort de leur maître, de leur rabouni. Comment faire pour accéder à sa dépouille? Qui nous roulera la pierre à l'entrée du tombeau? Qui enlèvera l'obstacle qui barre mes projets? Eh bien, la question est inutile puisqu'il n'y a plus d'obstacle. Il suffit de lever les yeux. Lever les yeux pour sortir du cercle de la mort. Voilà aussi à quoi elles nous invitent ce matin, ces femmes. Comme tous les matins du monde, lever les yeux, se tourner vers plus grand, vers plus haut que nous, dans nos situations à ras de terre. Puis, on les imagine encore se baissant pour rentrer avec prudence, voire même avec crainte. Elles pensaient être les premières, quelqu'un les a précédées. Elles venaient chercher un corps, elles s'attendaient à trouver le cadavre de Jésus. Elles voient un jeune homme, assis à droite, vêtu d'un vêtement blanc. Voilà une présentation qui nous évoque d'autres titres. Assis à la droite de Dieu, un vêtement blanc comme au moment de la transfiguration. Nous avons là une manière d'évoquer Jésus le Christ. Mais ces détails annoncent un message, le message qui va suivre. Vient alors dans le texte grec un mot, un long mot difficile à traduire, qui varie selon les traducteurs en français de « elles furent effrayées » à « épouvantées » en passant par « saisie de frayeur » ou mieux « de stupeur ». On le serait à moins. Qui parmi vous aurait aimé vivre ce moment à la place des femmes? Oui, vous? Même pas peur? Ça m'étonnerait. Il me semble que l'humain est assez contradictoire. Il aimerait voir la manifestation de Dieu, mais quand c'est le cas, de près, c'est la crainte qui le saisit. La crainte dès le premier testament, lorsqu'il affirme que nul ne peut voir Dieu et vivre. C'est cette frayeur qui saisit les femmes. Une peur qui va les suivre jusqu'à la fin de notre passage aujourd'hui, en ce jour de Pâques. Vient alors le message de Pâques, qui commence par ces mots, que l'on retrouvera dans d'autres apparitions après la résurrection. Ne vous épouvantez pas, n'ayez pas peur. Cette parole résume la foi qui vient de Pâques. N'aie pas peur. N'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de la vie. N'aie pas peur de Dieu et de ton prochain. N'aie pas peur de toi-même. Vis ta vie. Oui, ce message de la résurrection nous fait réfléchir sur nos peurs. Nous invite à les ressentir en prière et leur reposer la grande annonce. Le Christ est ressuscité. Il est réveillé. Il n'est pas ici. Voici le lieu où il l'avait déposé.
traduit mot à mot. Comme je le disais plus haut, il n'y a pas de description de la résurrection. Aucun des évangiles ne présente en détail la résurrection. Tous parlent du tombeau vide. Alors, je reviens à ma question initiale. C'est quoi la résurrection ? Eh bien, je répondrai maintenant par un vide, une absence, l'espace d'un lieu, un creux en chacun de nous. Oserais-je dire que nous sommes les tombeaux vides dans lesquels Christ est ressuscité ? La résurrection est le lieu de l'attente, du désir, de la présence, le lieu de l'espérance et de la prière. Dans ce lieu, nous pouvons recueillir une parole venue de Dieu, à condition d'y laisser assez de place, assez d'espace ouvert, en attente. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ? Il n'y a pas de tromperie, c'est bien lui qu'elles cherchent. Celui avec lequel elles ont vécu, qui a été crucifié. Celui qu'elles ont vu mourir. Voici le lieu où ils l'ont déposé, et il était bien mort. Vient alors ce verbe, un seul mot en grec. Réveiller, c'est-à-dire ressusciter. Et la résurrection est présentée de cette manière. Elle est un fait, c'est établi. Cela a eu lieu une fois pour toutes. Comme quelqu'un les a précédés au tombeau, le message annonce que Jésus les précède en Galilée. Oui, la résurrection nous précède, puisqu'elle est l'annonce de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Il nous précède en tout. Et elles sont chargées d'aller annoncer quelque chose d'impossible à envisager pour elles-mêmes, mais aussi pour les disciples. Alors, en quoi le message de Pâques nous étonne encore ? En quoi nous fait-il peur encore aujourd'hui ? Elle quitte ce lieu de tombeau, ce lieu de la mort, tremblante et troublée, nous précise le texte de cet évangile. Et il se termine là à l'origine, avec le dernier mot, la peur. Vous rendez-vous compte, un évangile qui se termine par la peur. Alors, comment ce message de Pâques, de la résurrection, nous est-il parvenu ? Eh bien, une autre finale a été rajoutée comme fin à l'évangile selon Marc, par une seconde génération de chrétiens, inspirée des autres évangiles. Cette autre finale, eh bien, je vous invite à la lire une fois rentré chez vous en ce dimanche de la vie. Peut-être, je l'espère, découvrirez-vous ce Jésus présent dans nos Galilées. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia.
proclamons ensemble le mystère de l'espérance chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. À présent, quelques annonces. Alors, je tenais d'abord à remercier nos deux musiciens, Arthur Dozon au piano et Solveig Acuna à la voix. Ouais, je crois que... Merci à vous deux, Solveig. D'ailleurs, que nous avons déjà eu le plaisir d'entendre chanter et d'entendre faire chanter au chant participatif durant il y a quelques mois déjà maintenant, en décembre, durant l'avant-dernier, avec Sébastien Mas. Alors avant-dernier, mais aussi avant tous les autres, puisque il y a d'autres dates à venir. Tu reviendras ici même. Avec grande joie en 2024 au Temple Saint-Étienne avec l'ensemble instrumental et vocal que tu diriges, l'ensemble de musique ancienne Vida Bona, et on est vraiment, vraiment ravis de t'accueillir en ces lieux. Merci à vous deux en tout cas pour ce matin, merci. Mardi 2 avril à 19h30, rendez-vous au cinéma Le Palace à Mulhouse pour un ciné-club œcuménique avec le film Le Festin de Babette, donc de Gabriel Axel, à voir ou à revoir. Le film sera suivi d'un temps de débat avec entre autres Pierre-Louis Sereja, journaliste et critique de cinéma. C'est le tarif normal d'une place au cinéma Le Palace. Du 5 au 17 mai, rendez-vous au Temple Saint-Jean pour les Vespérales. Un concert d'orgue tous les vendredis à 18h30. Samedi 6 avril à 20h, nous aurons le plaisir d'accueillir l'Orphéon municipal de Mulhouse, dont une partie est venue pour accompagner le culte de Vendredi Saint, il y a quelques jours. Mais cette fois, ce sera pour leur grand concert de printemps, un concert caritatif en soutien à l'association de solidarité Saint-Vincent-de-Paul. Sur scène, une quarantaine de musiciens vous interpréteront Richard Strauss, Grieg, Tchaïkovski, sans oublier Verdi et ses trompettes du Jugement dernier. Les billets sont déjà disponibles en pré-vente chez Musique d'Aurélie, Mulhouse. Et bien sûr, il y aura une billetterie sur place à partir de 19h15. Le lendemain, le dimanche 7 avril, encore un grand culte. Ce sera le culte d'installation du Conseil commun de la dynamique mulhousienne. Avec Sainte-Seine, rendez-vous au Temple Saint-Martin à 10h. Le culte sera suivi d'un repas partagé. Voilà, chacun amène de quoi boire, de quoi manger.
Et le dimanche 7 avril sera aussi le dernier jour de l'exposition que vous pouvez voir ici même, Chemin de pèlerinage de Dominique Laburte. L'exposition est accessible du mercredi au dimanche de 13h à 19h. Vous retrouverez toutes les informations en détail et plus encore sur le site internet de la Dynamique Mulhousienne. Nous aurons bientôt d'ailleurs un site dédié pour la programmation culturelle du Temple Saint-Étienne, et vous trouverez également les programmations papier à l'entrée. Dieu qui, le premier, se donne et nous donne, nous rend libres de donner. Vivons à présent dans le partage, le temps de l'offrande, dans la joie et la simplicité. Aujourd'hui, en ce jour de Pâques, tout est renouvelé. Le vieux monde disparaît. Christ est ressuscité. Notre vie est restaurée. Notre Dieu, nous voulons te prier. Pour celles et ceux qui souffrent, donne-leur de t'appeler. Pour celles et ceux qui doutent et désespèrent, affermis en eux et parmi eux l'assurance de ta présence. Pour celles et ceux qui se méfient de toi, donne-leur d'entendre que tu ne t'imposes pas. Pour nos prochains, proches et lointains. Que ta résurrection soit pour eux secours et réconfort. Toi qui as vaincu la mort et qui nous rejoins pour nous relever, avec toi et par toi, nous voulons marcher. Saint, saint, saint.
Et ensemble, nous te prions comme ton Fils Jésus-Christ nous l'a enseigné. Et nous pouvons peut-être nous lever pour cela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Père, devant cette table, par ce pain et ce vin que tu nous sers, toutes et tous, sans condition, invités à ta table, tu manifestes que te servir, c'est nous laisser servir par toi. En Jésus-Christ, tu es venu pour laver les pieds de l'humanité. Tu nous appelles à nous laisser recevoir par toi tel que nous sommes et à vivre cette nouvelle relation à toi dans chaque aspect de notre existence. Tu es venu annoncer à toutes et tous cette bonne nouvelle, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Accorde-nous ton Esprit Saint à nous qui allons partager. Fais de ce pain et de ce vin la vie même du Christ, qu'elle nous habite et fasse jaillir en nous et parmi nous l'espérance et la foi. Christ, agneau de Dieu. Le pain que nous rompons
corps du Christ, signe de sa présence parmi nous. Le vin que nous buvons, sang du Christ, signe de sa vie qu'il nous offre aujourd'hui. Voici la table, non celle de l'Église, mais celle du Seigneur. Elle est dressée pour tous les enfants de Dieu. Toutes et tous, ici rassemblés, et bien au-delà, sur toute la terre. Alors, viens, toi, qui as beaucoup de foi, et toi aussi, qui en as peu. Toi, qui as essayé de le suivre, et toi, qui n'y es pas arrivé. Viens, ce n'est pas moi qui t'invite, c'est Dieu lui-même qui nous invite, toutes et tous. Telle est sa volonté, que celle et celui qui le désire viennent ici pour le rencontrer, pour se laisser rencontrer, tel qu'il est, tel que vous êtes. Vous êtes les bienvenus, toutes et tous. Je vous invite à former un cercle pour partager ensemble le repas du Seigneur. Mais peut-être que nous pourrions juste, eh bien, sortir de nos rangs pour nous rassembler dans l'allée pour partager ensemble. Je vous invite à vous lever pour partager ensemble le repas du Seigneur.
Gagnez vos places pour chanter ensemble le dernier cantique, le cantique de résurrection, à toi la gloire. Lumière.
Recevons maintenant la bénédiction de notre Dieu, du Dieu de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre, garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix et la résurrection de Dieu. Amen. Amen et bon dimanche à vous toutes et tous.